vallée de la Rille, le village de Brionne. Et voici l'église qui date de 1030. Cette église Saint-Martin, qui est ouverte, a été remaniée au 14e pour le chœur et au 15e pour la nef. Les vitraux sont modernes. Tout ce qu'il y a de plus moderne. Il faut dire hélas que Brionne n'a pas échappé au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Vierge à l'enfant et à la pomme. La statue était autrefois polychrome. Les vitraux du chœur sont les plus intéressants. Une douce lumière diffuse dans l'église. Devant l'église, une esplanade a été aménagée en bord de rille. Ce n'est pas le plus beau coin de la rille, mais à proximité, les jardins de Shaftesbury nous attendent. Shaftesbury est la ville britannique qui est jumelée à Brionne. L'artère commerçante de Brionne. Un endroit qui rappelle un peu Ponteau de Mer. Colombage, briques et silex. Le lavoir de Brionne. Une ville tranquille. Et bien fleurie. Quelques belles propriétés jalonnent le village. Le parc de Lorraine est déjà un jardin public à Brionne. Ce ne sont pas les jardins de Shaftesbury toutefois. Un hêtre superbe au milieu du parc de Lorraine. Être pourpre. Une demeure ancienne, un peu à l'abandon, au milieu du parc de Lorraine.
d'un superbe séquoia. Depuis ce petit jardin, on aperçoit le clocher de l'église Saint-Martin et également le donjon. Le donjon carré qui est l'un des rares exemples de ce type en Normandie, au-dessus de Brionne. Un petit lavoir procure une ombre rafraîchissante. Un bras de la Rille. Le hêtre pourpre nous apparaît dans toute sa majesté. Des roses, en veux-tu, en voilà. Maison en briques et à pignons. Gare de Brionne. La vieille France. Une belle glycine. Beau petit panorama de Brionne. Dans une vallée verdoyante, celle de la Rille. Office de tourisme de Brionne. Le pressoir à l'intérieur de l'office de tourisme. On revient vers le centre de Brionne et cette fois-ci nous allons voir les jardins de Shaftesbury. Le kayak, une des activités les plus pratiquées sur la Rille. Nous repassons à proximité de l'église Saint-Martin. Nous voici à proximité des jardins de Shaftesbury. Je rappelle que cette ville anglaise est jumelée à Brionne. Bord de Rille. Le jardin en bord de Rille ménage une belle promenade mais n'offre pas beaucoup de fleurs. Le donjon, qui montre que Brionne est une ancienne place forte militaire du Moyen-Âge.
un petit filet d'eau. Il y a encore quelques pans de bois dans Brionne, malgré les bombardements. Dépêchons-nous avant l'orage. À l'assaut. La sente du vieux château. Par une chaleur étouffante. Au sommet de la sente du vieux château, on découvre un beau panorama sur la vallée de la Risle et sur le donjon du XIe siècle. Le donjon du XIe siècle avait 4 étages autrefois. Le plan d'eau de Brionne. En amont, sur la Risle, le viaduc de la Risle, autoroute A28, Abbeville, Rouen, Alençon, Le Mans, Tours. Brionne est une agglomération d'environ 4300 habitants. Le clocher de l'église Saint-Martin. Un petit bastion permet de mieux observer le panorama. Plage de sable, baignade surveillée, tennis, volley, pétanque, pêche, canoë, pédalo au fil de la Risle. Et l'on redescend vers le centre de Brionne, fin de cette visite dans cette charmante bourgade de la vallée de la Risle. Thank you.
berges du vieux donjon. Abri